Bonjour à tous, bienvenue sur le site My Teleworker. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, nous créons des tutoriels sur les outils essentiels du télétravailleur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Drive de Google. Pour définir le Drive, c'est une solution de stockage dans le cloud, dont on entend parler, et de plus, le Drive gère une suite bureautique propre à Google. Elle est très fortement inspirée du pack Office de Microsoft. Dans cette vidéo, je vais uniquement vous parler de la manière de gérer le Drive en tant que solution de stockage. La suite bureautique fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour accéder au Drive, vous devez avoir impérativement un compte Google, donc Gmail. Il y a trois solutions pour y accéder. Soit vous passez par un moteur de recherche, c'est la solution basique. La deuxième solution est que vous êtes déjà connecté à votre compte Google. Si c'est le cas, en haut à droite apparaissent différents éléments comme la cloche de notification, votre image de profil et j'en passe. Mais le plus intéressant pour nous, c'est le symbole avec les 9 petits carrés. Ils vous permettent d'accéder à tous les outils Google, dont le Drive. Il suffit de cliquer dessus où que vous soyez. La troisième solution et la dernière est d'accéder au Drive depuis votre bureau, PC ou Mac, sans passer par un moteur de recherche. Je reviendrai dessus par la suite. Rentrons dans le Drive. J'y accède par le moteur de recherche. Partons du principe que je n'étais pas connecté à mon compte Google. Donc je suis obligé de rentrer mes identifiants pour accéder au Drive. Nous voilà maintenant au cœur du Drive sur Internet. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, on peut stocker jusqu'à 15 Go gratuitement. Vous avez le choix d'avoir plus d'espace de stockage. Pour le faire, cliquez sur « Gérer ». Ainsi, vous pouvez voir que pour 1,99€ par mois, vous pouvez avoir 100 Go de stockage. Les tarifs ont baissé il y a quelque peu. Ils sont maintenant très attractifs. Revenons à la page principale. Je vous propose d'importer des documents ou des fichiers. C'est très simple. Il faut cliquer sur la petite flèche à droite de créer. Je vais importer l'ensemble des documents du dossier 2014 en cliquant sur Fichier. Voilà, donc je sélectionne les fichiers et j'appuie sur Choisir. Vous constatez en bas à droite qu'une fenêtre d'importation apparaît. Bien entendu, cette opération d'importation ne supprime en aucun cas les fichiers importés de votre ordinateur. Vous pouvez également, pour importer des fichiers, simplement glisser vos documents à l'intérieur du Drive, comme ceci. En cliquant sur les fichiers importés, j'ouvre une visionneuse très pratique. Maintenant, comment créer un dossier? Appuyez sur Créer et cliquez sur Dossier. Saisissez le nom du dossier. Je vais mettre 2014. Vous pouvez désormais glisser vos fichiers importés dans ce nouveau dossier. Si vous préférez, vous pouvez sélectionner chaque fichier, faire un clic droit et cliquer sur Déplacer vers. Tous les types de fichiers peuvent être importés. Comme vous avez pu le voir, j'ai importé des documents du pack Office et une image. J'aurais pu importer des fichiers avec d'autres formats, comme des fichiers PDF ou des fichiers vidéo. Les documents que vous importez ne peuvent pas être modifiés directement sur le Drive, sauf s'il s'agit de documents de la suite Google. Ainsi, je peux par exemple modifier le fichier « Les avantages du télétravail » car il est un Google document. Mais je n'aurais pas pu modifier un document Word car ils sont uniquement visionnables. Il y a deux modes de présentation de vos fichiers, en grille ou en liste. En grille, c'est la présentation la plus jolie. On a un aperçu de la première page du document, mais il n'y a aucune autre information. La présentation en liste est la plus pertinente. De gauche à droite, vous avez le symbole du format du fichier, le nom du fichier, le nom du propriétaire et enfin les dates de modification. C'est très complet. Pour optimiser davantage le visuel, il peut être également intéressant de modifier la densité d'affichage. Pour le faire, cliquez sur le logo Paramètres et ensuite, choisir la densité d'affichage. Pour mettre en valeur vos dossiers, vous avez la possibilité de personnaliser la couleur. Pour cela, je fais un clic droit et je clique sur « Modifier la couleur ». Je choisis le rouge. Mon document est maintenant différencié.
Vous pouvez à tout moment supprimer des dossiers ou des fichiers. Pour cela, faites un clic droit, puis supprimer. Ou alors, cochez vos fichiers et cliquez sur la poubelle. Pour restaurer vos fichiers supprimés, cliquez sur Corbeille sur la gauche, puis cochez ou sélectionnez le document en question et cliquez sur Restaurer. La fonction Partage est très intéressante. Elle permet de partager des documents ou des dossiers, des fichiers, à des invités qui ont ou pas de compte Google. La manipulation est simple. Cliquez droit sur les fichiers ou dossiers à partager, puis cliquez sur Partager, cliquez une deuxième fois sur Partager. Il suffit maintenant de rentrer les emails ou le nom des invités. Seuls les noms de vos contacts apparaissent automatiquement. Ensuite, vous décidez de leur donner un pouvoir de modification ou simplement de lecture. N'oubliez pas d'appuyer sur Envoyer. Vous constatez maintenant l'apparition du motif Partager à droite du document. Pour classer vos documents dans Suivi, sur la gauche, cliquez simplement sur l'étoile jaune du fichier ou document en question. J'aimerais finir avec l'application Drive que l'on peut installer sur les ordinateurs. Cette gestion du Drive me semble la meilleure solution. Pour l'installer, il suffit de cliquer sur « Installer Drive » sur votre ordinateur. Elle permet de gérer votre Drive comme un dossier traditionnel sur votre ordinateur. Tout est synchronisé en temps réel sur votre ordinateur et sur le cloud. Ici, j'ai mis un raccourci du dossier sur mon bureau et remarquez que tout est parfaitement synchronisé dans les deux sens. Remarquez le symbole Drive pour les paramétrages de cette application. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTeleworker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation, c'était Benjamin de MyTeleworker. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.